We welcome our next speaker is Giselle Bidon. She's the former Minister of Education from Central African Republic. Giselle founded a low-cost school for young people in Bangui, which she managed until 2012. She worked in education in France in 2013 at the Rostand High School in Paris. Also, she is founding member of the League for Education, Science and Culture in Africa. And as a minister, she was also involved in diplomatic activity, including leading discussions about discrimination against peacekeeping soldiers from Chad. She will present us her article, COVID, Devoir sur table avant l'examen final, COVID, the mock exam before the finals. So we welcome Giselle. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse parce que we cannot hear you. Okay. Yeah. Vous m'entendez? Mon anglais n'est pas très fluent, donc j'ai choisi de m'exprimer en français en sachant que j'ai une excellente traductrice en la personne de Myrna. Alors avant de commencer, je vais faire les petits arrangements. Hein. Myrna, okay. Tu sais que je ne maîtrise pas, donc je vais partager l'écran. Je vais partager d'abord mon écran. D'accord. Ah, voilà. L'écran. Oui, on est en train de le voir maintenant. Ça commence. Oui. Alors, je vais partager votre écran. Même se pose. So Giselle is voilà, going vous to me voyez là? French, but Myrna is going to do the translation. Voyez-vous mon écran? C'est bon, Macha, c'est bien. Yeah. Ouais. D'accord. Oui, on voit. Tu mets d'accord. Un temps à l'écran. Oui. Oui. D'accord. OK. Donc, je crois qu'on va tenter de commencer. Merci à tous et d'abord, merci infiniment à Myrna pour cette occasion extraordinaire qu'elle nous a donnée pour exprimer des sensibilités diverses de cette crise. On a chacun ressenti les choses différemment, on a eu des interrogations selon nos sensibilités et vraiment ce thème de Solidarity Conférence, c'est vraiment ça, mettre en commun toutes ces différences et je sais qu'il en ressortira quelque chose de bon si nous l'arrosons. Je vous remercie. Nous demandons à Dieu de changer nos circonstances, alors que ce qu'il désire, que la circonstance change nos cœurs. Je vais m'excuser auprès de vous parce qu'il y a un écho et je vais devoir reprendre. Vous m'excusez, je dois enlever un son dont on s'était aperçu tout à l'heure qu'il était en écho. Vous m'excusez de devoir recommencer pour votre confort, toutes mes excuses. Elle aussi, hein. Ça va, ça va. Pourquoi ne pas l'écouter au lieu de l'étouffer? Nous demandons à Dieu de changer nos circonstances, alors que ce qu'il désire, c'est plutôt que ce soit la circonstance qui change nos cœurs. Cette pensée, elle a été le fil de toutes mes réflexions durant ce moment de confinement. On a cessé de dire et d'écrire sur les réseaux sociaux, et je l'entends aussi dans tous les médias, que cette crise devrait reformater nos modes de vie, la gouvernance des peuples, etc. Et c'est bien le résultat positif que doit produire une épreuve. Par exemple, l'étudiant qui échoue à un examen, il va d'abord souffrir de son échec. Et ensuite, s'il est dans un état d'esprit positif, il se ressaisira
pour scruter une autre stratégie de travail qui tiendra compte des erreurs faites lors du précédent examen. Mais que lui aura enseigné son échec ? Qu'il n'a pas suffisamment et régulièrement travaillé ? Et sur quelle matière il devra redoubler d'efforts ? Qu'il a présupposé de son intelligence ? Qu'il connaissait les réponses, mais qu'il était distrait, s'en remettant peut-être à la chance ? Hélas, point n'est-il question de chance ici. Il s'agissait de se rompre à l'ouvrage durant l'année pour récolter les lauriers du succès. Nous pouvons ici faire le parallèle avec la manière dont nous traversons cette pandémie. Qu'est-ce que ces millions de morts vont changer pour nous ? Est-ce que le confinement obligé, qui met subitement un coup d'arrêt à nos projets, nous interpelle sur la vanité des choses ? Est-ce que ces millions d'emplois perdus nous parlent ? La bêtise des délocalisations des productions nous apparaîtra-t-elle ? Et si oui, sous quel angle nous comprendrons désormais l'importance d'aimer son prochain comme soi-même, à l'échelle de nos quartiers, nos administrations, notre lieu de travail? Comprendrons-nous enfin que le terme « petite main » utilisé pour qualifier ces travailleurs de l'ombre est insultant et ne réconfortait en fait que nos égaux? Ces dites « petites mains » qui s'avèrent un maillon essentiel de la survie de notre mode de vie aseptisé et qui se révèle, somme toute, un garant de notre dignité. Il apparaît ainsi que, prenant prétexte à accomplir sa part des instructions de la Genèse qui dit que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, l'homme a plutôt mis le turbo à bâtir une société pour la satisfaction du physique et de l'intellect, exaltant la chair au détriment de l'esprit, y délaissant au passage l'esprit de l'existence du monde. Être co-créateur d'un monde juste, apprendre patiemment à vivre dans la diversité, ensemble, comme les 10 doigts d'une main, comme le buste et les jambes, comme les dents et la langue. Apprendre à vivre les uns avec les autres, et non les uns à côté des autres. Apprendre à produire les uns avec les autres, et non les uns au détriment des autres. Apprendre à se développer ensemble, et non quelques pays marchant sur la misère de tant d'autres. Le prochain devoir sur table sera donc de s'interroger sur ce qui devra être corrigé pour ne pas subir une autre pandémie et ses conséquences plus cuisantes. Car oui, le monde scientifique nous annonce déjà d'autres épidémies. Disons donc que le COVID-19 n'est qu'un énième devoir sur table pour tester notre capacité à changer nos cœurs, nos priorités, ou alors on a le choix de s'endurcir encore plus. C'est un devoir pour tester notre capacité à nous orienter dans un nouvel aiguillage de nos sociétés, orienter nos sociétés sur d'autres rails ou poursuivre une course fatale sur des rails défectueux, sans ralentir ou sans changer d'aiguillage. Il peut s'agir de rétro-pédaler ou de créer des voies nouvelles. Alors, travaillons-y, non pas superficiellement par des mesurettes à droite à gauche pour conforter nos égos, mais de manière profonde. Les dirigeants de tout pays, à vous nous parlons, et je dis que vous pouvez. Brisez les chaînes des lourdeurs administratives.
Dégagez-vous du carcan des financiers qui demandent toujours plus de rémunération de leur capital. Relocalisez les emplois dans vos pays. Sortez les économies des voies de garage où vous les avez conduites. Avec de la sincérité, nous passerons alors tous en douceur ce devoir de classe imposé aux nations. J'ai voulu compléter ma réflexion par un texte que j'ai lu durant le confinement et qui m'a tellement parlé parce qu'il exprimait mieux que moi-même ce que j'avais exprimé. Et il exprimait, l'essence de l'essentiel à retenir de cette crise. Cet auteur s'appelle Mustapha Daleb, une des plus belles plumes de la République tchadienne. Et il a écrit, écoutez bien, « L'humanité est ébranlée et la société est effondrée par un petit machin microscopique appelé coronavirus qui bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. Cessez le feu, trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Le Hirak a pris fin. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse des prix à la pompe, protection sociale renforcée. Soudain, on observe dans le monde occidental que le carburant a baissé, la pollution a baissé. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants. Les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance, que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains, pour espérer vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse
que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr, que le songe devienne mensonge. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous face à ce coronavirus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons notre humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants. J'en ai fini. Merci beaucoup, Gisèle. C'est une présentation très émouvante et très profonde. Et on a beaucoup de questions, je suppose, des commentaires. I open the questions to the audience. If you have questions. Gisèle, tell us a little bit about the situation in the Central African Republic, which is suffering a horrible war since a long time now. How do people manage to deal with the war and with the coronavirus? How do the hospitals deal with that? What's the situation? Okay. Alors, merci Myrna. Le coronavirus est tombé sur l'Afrique et notamment sur la Centrafrique d'une manière vraiment inattendue, de toute façon comme en Occident. Mais la particularité, c'est que on a vécu dans le déni. On a vécu dans le déni total parce qu'il y a des informations qui venaient de l'Occident tentant à penser que la chaleur peut-être allait nous empêcher de tomber dans la même hécatombe qu'en Occident. Donc il y a ce déni. Premièrement, il y a aussi, le coronavirus a révélé aussi qu'on ne pouvait pas appliquer les mêmes méthodes de lutte qu'en Occident. Par exemple, le confinement, chez nous, il est totalement impensable. Le confinement dans des économies où les gens sont obligés, acculés à aller au marché tous les jours. Hein, c'est vraiment une économie du au jour le jour. Il n'y a pas de courant de façon régulière, ce qui fait que progressivement, avec l'aggravation de cette crise de l'énergie, les frigos ne sont plus actifs. Donc, les gens ont repris un mode de vie assez pénible, et confiner voulait dire empêcher de manger. Donc, ce qui fait que la crise a mis en exergue qu'il faut pouvoir trouver des méthodes, il faut innover pour voir comment protéger la population malgré ses croyances et malgré les difficultés inhérentes à nos économies. Donc là, depuis quelques jours, il y a une flambée. Certes, ce n'est pas l'hécatombe attendue, mais progressivement, on se rend compte qu'il aurait quand même fallu prendre des mesures. Voilà. Merci, Gisèle. Je ne sais pas, Gisèle, si tu peux nous parler un peu plus comment tu vois l'union de l'humanité à partir de ce moment. Quel genre de travaux est-ce qu'on peut faire? Quel genre d'actions est-ce qu'on peut prendre? Parce que je crois que c'est une idée qui est très forte. C'est comment l'être humain est très faible. Et quand on est en face de cette crise maintenant, on se rend compte qu'on est tous les mêmes, qu'on est également vulnérables. Alors, quel genre d'action est-ce qu'on peut prendre et quel genre d'action tu suggères qu'on peut prendre maintenant? Merci, Maria.
Il y a un intervenant tout à l'heure, il a disparu de l'écran, il était là tout de suite. Je n'ai pas retenu le prénom, Myrna. Tu peux me rappeler l'intervenant qui parlait François, le premier, oui, François. Je le vois. François, uh-huh. François, justement, ce que j'aimais dans cette conférence, c'est que j'ai moi-même des réponses. Hein, j'ai moi-même des réponses à « tiens, les choses sont là, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et il a donné une réponse intéressante en disant, justement, il faut pouvoir sortir. On sait maintenant que la crise a prouvé qu'il ne fallait pas rester dans son coin, faire des choses. Il y a eu des élans de solidarité, mais maintenant, il faut que ça se poursuive. Il faut aller vers les gens, il faut aller vers les gens qui sont différents, vers les gens qui sont peut-être... qui n'ont pas tous les moyens que nous avons eu d'avoir toutes ces informations par rapport au coronavirus. C'est un moment, je crois, d'échange, de partage, de trouver ensemble avec eux les solutions, parce qu'il ne s'agit pas, je pense, non plus d'imposer les solutions. C'est ensemble, je pense, qu'il faut les trouver et il faut vraiment faire abstraction des réserves habituelles pour aller vers les gens, parler avec eux, trouver avec eux les solutions pour parer à une éventuelle comment dire, récidive, ou alors organiser ce nouveau monde qu'il est possible hein, de créer à partir de l'énergie que nous a donné cette crise. Hein. Je disais tout à l'heure, la crise, elle donne soit de l'énergie, soit elle nous rend complètement défaitistes. Donc, moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que tout cet élan d'idées, de solidarité, parce qu'on a vu qu'on est capable, de vivre ensemble, on est capable d'aider, on est capable de se tenir la main. Je prends un exemple, moi j'aurais eu envie d'aider hein, là où je suis. Je l'ai fait autant que possible dans mon immeuble, j'ai aidé les personnes à aller faire leurs courses. Mais après, on se dit, tiens, et si c'était le début de quelque chose ? Parce qu'en temps normal, là où j'habite, les gens ne se sourient pas. Mais j'étais tellement heureuse, je me suis dit, moi ce qui m'est vraiment passé à l'idée, et si cette crise pouvait rendre les gens plus gentils ? Si cette crise pouvait me permettre, sans crainte, d'aller frapper à la porte de mon voisin, ce qui n'est pas le cas actuellement, je vous l'avoue, j'ai vu des rires. J'ai vu qu'on a pu avoir des petites discussions, les gens se sont un peu ouverts. J'aurais voulu que ce soit plus parce que je me dis, j'ai à partager, j'ai beaucoup de choses à donner. Et ma crainte, c'est que la fin du confinement, l'affaiblissement de la pandémie nous ramène à nos anciens travers, alors que je me dis, on tenait quelque chose, on tient quelque chose sur la base de quoi il est possible de construire autrement, de bâtir autrement. Et je me réfère vraiment à ce que François-Nicolas a dit tout à l'heure, sortez, allez vers les gens, discutez, essayez de créer des mouvements où, à l'intérieur de ces mouvements, il est possible d'organiser des actions qui changent la société, qui changent la cité. François. Oui. Merci Gisèle de votre intervention et de ses échos, etc. Je voudrais quand même dire quelque chose parce que je pense quand même, j'ai pas tout à fait la même appréciation du confinement, parce que je pense que quand même le confinement nous a pas vraiment rendus égaux et que moi j'ai été plutôt frappé de l'inverse. Je parle pour la France surtout, mais pas uniquement d'ailleurs, que le confinement nous a rendus très inégaux. C'est très simple. Moi, j'ai passé le confinement à Paris, j'ai un appartement confortable. Je sais que les gens en banlieue, c'était l'horreur. C'est-à-dire que 5 personnes vivant dans un petit 2 pièces, dans un HLM misérable en Seine-Saint-Denis, c'était l'horreur. J'ai des amis, je vous l'ai dit, on est intervenu dans le bidonville, les amis du bidonville de Tabrit au Maroc, c'est absolument horrible parce que les maisons, les petites bicoques, on ne peut pas être confiné là-dedans. Bon. Ça, c'est quand même la première chose. La deuxième chose, le confinement, n'oublions pas, je parle toujours en France, qu'il y a un tiers des gens qui ont continué de travailler. Je ne parle pas du télétravail. Le télétravail, c'est bien pour les cadres. Mais pour celui, les boueurs, il n'est pas en télétravail. Il n'était pas en télétravail. Comment il était dans les rues.
les gens qui approvisionnent, etc., ils ne sont pas en télétravail. Donc là, il y a une inégalité considérable pendant le confinement qui fait que pour certains, ça a été un moment agréable. C'est le cas d'ailleurs pour moi, je l'avoue, mais je suis complètement minoritaire. Par ailleurs, on ne peut quand même pas dire que tout le monde est responsable de ce qui s'est passé, quand même. Je prends toujours les gens, le milliard de personnes qui vivent dans les bidonvilles, ils sont responsables d'aucune manière de quoi que ce soit dans ce qui se passe. Ils sont quand même dans des situations, ils sont traités comme des déchets par ce monde. On ne peut quand même pas dire que tout le monde est responsable. Eux, ils ne le sont pas responsables. Les centaines de millions d'ouvriers qui travaillent dans des usines militarisées, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Donc, il faut quand même accepter qu'on est. C'est pas vrai qu'on est tous dans le même bateau, quand même. Parce qu'il y en a qui en profitent, qui exploitent, et il y en a d'autres qui sont exploités. Si on ne prend pas ça en compte, je prends même dans l'expérience du confinement, j'ai l'impression qu'on va complètement passer à côté. Alors, donc, c'est quand même un point qu'il faut introduire dans notre bilan de ce qui s'est passé, et y compris dans nos perspectives de sortir que nous partageons ensemble. Donc, je suis content qu'on le partage ensemble, mais parce qu'il me semble qu'il faut, si nous on sort, c'est pour aller voir justement ceux qui sont exclus dans les bidonvilles, ou ceux qui sont au cœur de nos sociétés parce qu'ils sont. Ils produisent nos marchandises, mais on n'en parle jamais. En France, par exemple, il n'y a plus d'usines, on croit qu'il n'y a plus d'ouvriers dans le monde. C'est ridicule. Il y a des centaines de millions, mais pourquoi on ne les voit pas? Ben parce qu'ils sont en Chine, dans des espèces de camps. Donc, c'est cela qu'il faut aller voir. Ce que je veux dire, donc, c'est qu'il faut quand même, cette expérience de la crise a plutôt, à mon avis, montré, non pas qu'on était tous pareils. C'est vrai qu'il y a eu des expériences de solidarité qui ont affirmé qu'on peut se considérer pareil, mais elles sont quand même minoritaire, exemplaire, d'accord, mais minoritaire. Et donc, il faut, y compris dans la manière dont on va sortir, ne pas oublier cette dimension d'injustice, d'inégalité qui a été terriblement accusée par le confinement et par la crise. Merci, François. Je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que quand le sujet a été proposé, je n'ai pas été vraiment en profondeur pour il y a effectivement un accroissement des inégalités. La crise a révélé, a amplifié les inégalités, elle les a rendues plus visibles, et j'en conviens parfaitement. Maintenant, la partie où on parlait justement de ce que vous reprochez, on n'est pas tous égaux, c'est du point de vue de cet auteur africain, les choses sont un peu différentes, et pour nous, le cri du cœur en Afrique, ça a été de dire « Ah, cette crise aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'est exprimé, cette crise aujourd'hui, elle fait que les notables ne peuvent pas venir se soigner en Europe. » Je prends un exemple. C'est vraiment sur des choses comme ça que ça a rendu les gens égaux. Tout le monde est bloqué, tout le monde est au même niveau, tout le monde doit aller dans les mêmes hôpitaux. C'est vraiment sur des aspects de ce genre, mais je suis parfaitement d'accord que la crise a beaucoup plus amplifié et mis en exergue le fossé. Elle a accru les inégalités, elle les a rendues plus visibles également. Je n'en disconviens pas, seulement l'exposé, c'est certain qu'il s'est basé, je l'écris en plus au tout début de la crise, quand Myrna avait le projet. Et je ne l'ai pas affiné par la suite avec la connaissance que nous avons eue après de ce qui s'est passé réellement dans les quartiers. Donc, je le partage totalement, votre avis, François. OK. We have a question by Christine. Elle demande, Christine, comment définissez-vous le courage? Comment définissez-vous le courage? Le courage. Oui. Écoutez, c'est vaste. Tout à l'heure, je disais qu'il faut pouvoir, au sortir d'une crise pareille, certains ont effectivement une bonne dose de courage pour affronter les changements que la crise nous a montré qu'il faudrait apporter. Maintenant, on est peut-être tous, on est peut-être inégaux,
on est peut-être inégaux face à cette qualité et courage. Certains, de par peut-être leur vécu, ne sont pas logés à la même enseigne que d'autres qui ont plus d'aptitude à se lever pour affronter les difficultés et apporter les changements nécessaires. Je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que vous voulez parler ou je ne sais pas si j'ai bien compris la question de courage. Et je parlais vraiment du courage d'aller de l'avant, du courage de réformer ce qu'il y a à réformer, le courage de continuer pour ceux justement qui sont totalement déprimés par la crise. Je sais que moi, autour de moi, j'ai perdu énormément de personnes, hein, mais surtout sur l'Europe. Depuis la semaine dernière, c'est sur la Centrafrique. Je commence à enregistrer des cas de décès autour de moi. Et ce qu'on dit tout de suite aux gens, c'est courage. Mais courage de quoi ? Courage de déjà se dire que ce n'est pas la fin. Se dire qu'il faut trouver une autre manière d'affronter ce qui arrive. Voilà, courage de continuer à se tenir debout. Hein, c'est une aptitude qu'on a. Parfois, elle est intrinsèque. Parfois, c'est les autres qui peuvent nous la transmettre. Et souvent, chez nous, je vois que le courage dans les épreuves, elle est donnée par l'assistance que nous recevons, elle est conférée par la solidarité dont on bénéficie en période de deuil, en période de crise. Ça donne cette capacité à ceux qui ne l'avaient pas de se lever et de continuer à aller de l'avant. Et Christina, c'est bien, tu veux répondre quelque chose ou... Do you want to say something else, Christina, or should we go to the next question? Okay, so there is a question by Menachi. Il y a une question pour Menachi. Menachi, pardon. Okay. Sorry. So yeah, I'll ask in English, and it sort of continues where Francois stopped, because this question of equality, which Giselle brought up in her talk. I mean, at least the situation in India is such that this lockdown and the crisis, the corona crisis, has only shown the fault lines. It's only aggravated, shown in greater relief the differences that exist in society rather than bring society together. Because Even now, I mean, you're talking about people going to the same hospitals, but people are not going to the same hospitals in India. There are no hospitals for the poor, the ones who cannot pay. It's only the people who have lots of money who can get a hospital bed in Delhi or Bombay at the moment. It's so overrun, so full of patients. So I don't think, I mean, I find it difficult to agree about the fact that this crisis has been a great equalizer in that sense. It's more that, you know, what Francois in his first talk in the morning today spoke of waste. The billions of people who are considered waste because they cannot be exploited anymore. They are so poor that they cannot be exploited. Those are the ones who are left to die in India now. And the ones like us, we will survive because, you know, we have the money, we have the networks, we have whatever. And you can feel guilty or may not feel guilty. But the point is that the coronavirus will kill the poor at the expense of the rich. And what is happening in India now? We had 8 weeks of a lockdown where I don't know what happened to the virus, but it killed the economy. So after 8 weeks of total lockdown, they opened everything up. And now we have this corona all over the place. So from Monday, we are going into total lockdown again. Not the whole country, but my city. So what has this whole process done? It's just made people nervous, uncertain, and killed the backbone of the economy, basically. And we really don't know where corona is going. So I want your comments to this. And sort of if you could compare it with the situation there in Central Africa. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que la situation, elle est différente d'un continent à l'autre, mais il y a des similitudes.
L'Inde, j'ai suivi beaucoup de documentaires pendant la crise par rapport à l'Inde et c'est vrai que j'ai été profondément touchée. J'aurais pensé que l'Inde, qui peut-être industriellement est plus avancée que mon pays, s'en serait mieux sorti. Et tout à l'heure, nous disions, effectivement, j'étais d'accord avec François, que la crise a au contraire exacerbé les inégalités et a vraiment mis en exergue les différences entre les sociétés. Mais ce que je retiens, en fait, quand je parle d'égalité, c'est d'égalité sur, par exemple, je prends vraiment, j'ai traduit la manière de penser africaine, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Afrique subsaharienne. La peur a changé de camp dans le sens où, quelle que soit la classe sociale, tout le monde a commencé à avoir peur. La personne aisée qui ne connaissait pas la peur parce qu'elle pouvait aller utiliser son argent, aller se soigner ailleurs ou aller dans des cliniques. Vous disiez tout à l'heure, en Inde, ça n'est pas le cas parce que, effectivement, en Inde, il y a la séparation, ceux qui ont l'argent vont dans les cliniques. Chez moi, ce n'était pas du tout comme ça. Et dans beaucoup de pays d'Afrique noire, même les cliniques sont dépourvues de tout et tout le monde est arrivé vraiment à une égalité de peur. C'est vraiment une égalité dans la peur, surtout, d'abord. Une égalité dans la peur. La peur a changé de camp. La personne aisée, à l'époque, elle pouvait se dire, avant le Covid, quoi qu'il en soit, moi, je trouverai un moyen de me soigner. J'irai dans les meilleurs hôpitaux ou s'il y a une bonne clinique chez moi, j'irai dans cette clinique. Là, ce n'est pas le cas parce que les frontières sont fermées, les hôpitaux sont dénués de tout et c'est dans le même lit que la personne moins aisée, le voisin pauvre, que le notable va aller être couché pendant sa maladie. Il n'y a pas un endroit catégorisé pour la personne parce qu'elle est notable. Chez nous, c'est vraiment ce qui se passe. C'est la peur qui a changé de camp. La peur est devenue aujourd'hui le sentiment commun. C'est devenu, on a la peur en partage. Hein. Les gens ont vraiment la peur en partage. Donc, j'ai vraiment suivi. J'ai vu beaucoup de documentaires sur l'Inde. J'ai été vraiment atterrée. J'ai compris que là-bas, effectivement, les pauvres, pendant le confinement, ça a été une véritable catastrophe, hein, je l'ai vu. Mais je parlais du point de vue de ce que je connais mieux, de l'Afrique noire, où l'égalité, elle s'est vraiment faite en ce que tout le monde a été mis au même niveau, d'être dans l'incapacité d'être dans un hôpital différent qui puisse noter le statut, indiquer que vous êtes de tel ou tel statut. Hein, voilà ce que je peux dire. Could I make a comment? Yes, please, Mirna. Yes, I think I completely agree with François and Meenakshi in their concern for the most touched people, who are those who do not have any conditions. But I do not think that this implies that we should spit on the pain of everybody else who is not in that situation. Many people have died in the best hospitals in France, in Spain, people who were rich, people who were poor. And I think this is the equality that Giselle and Mohamed Alef are talking about. You can die in any circumstances. And I think what the point is that perhaps many of us here, certainly François and Meenakshi, who have both spent all their life fighting for the equality of those who others consider as waste. They certainly understand this, but perhaps some other rich people might have been brought by this crisis to think in this way and that they would have never thought that way before. And this is, I think, something that is important, that there are some rich people, or just some well-off people, or just some people living in average conditions who still live in a hospital, still live in a place in which there's a hospital,
have now understand how it is to be afraid and how it is to not have a solution, how it is not to have a vaccine. And I think their fear also counts. I do not think that only poor people count. I think everybody counts. And I do not think that we should equalize people by their poverty. I think just the opposite. We should make a society in which there are no poor people. I think we all agree on this. Thank you. Can I just add one line to this? Yeah, Menahi, please. Yeah, I mean, we are not saying that, you know, Giselle is absolutely right, that in our fear for the virus, everybody is equal, that there's no question about that. But for this lot of people who are, you know, who Francois called waste in the morning, they have not only the fear of the virus, but also fear of starvation. That is where the inequality lies. Oui. Est-ce que je peux... François, oui. Yes, ah, please. D'accord, pardon. Oui. J'entends bien ce que vous dites, si vous voulez, mais disons, c'est un vieux thème de l'égalité de tous les hommes devant la mort. Bon, ça, c'est un thème de sagesse antique. Bon, tous les hommes vont mourir, on est égaux par ça. Mais voyez bien que là, c'est la même chose que l'égalité devant la peur, c'est une égalité négative, négative. Donc, à partir de laquelle on ne va pas produire grand-chose, me semble-t-il. Donc, la question qui nous est posée, ce n'est pas simplement l'égalité devant la mort, devant la peur, etc., mais une égalité affirmative, affirmative. C'est quand même ça que l'on a à reconstituer, me semble-t-il, aujourd'hui, dans les conditions qui sont les nôtres. Bon, voilà, toute la conférence porte là-dessus, mais voyez, ce n'est pas du tout la même chose, quand même, de savoir si, par exemple, une égalité de courage, c'est beaucoup plus intéressant qu'une égalité de la peur. Parce que la peur, on sait bien, elle est très mauvaise conseillère, la peur. Bon. Donc, l'égalité devant la mort, ben, on la connaît, mais notre problème, il n'est pas là. Notre problème, il est quand même d'arriver à faire une égalité, par exemple, dans le travail, qui n'existe absolument pas, évidemment, entre le travail manuel, le travail intellectuel, entre le travail que je fais, le travail des ouvriers, etc., en Inde, entre les pauvres paysans qui ont dû errer là sur les routes, enfin, c'est abominable. Voilà, donc, ce que je veux dire, voyez, n'oublions pas qu'il y a deux sortes d'égalité, j'allais dire, une égalité négative et puis une égalité affirmative. Voilà. Alors, si l'égalité négative devant la peur, comme vous le suggérez, Giselle, nous met sur la piste d'une égalité affirmative, c'est formidable. Mais si elle nous met sur la piste de ça... Est-ce que je dis ? Oui, merci. Merci, je reprends, François. C'est totalement l'esprit, quand vous parliez tout à l'heure, j'ai pris la parole pour vous dire quelque chose que j'appréciais. Effectivement, tout n'est pas contenu dans mon exposé, absolument, c'est vraiment une réflexion tirée en avril, en plein, vraiment, c'était au moment chaud. Mais qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Dans les crises, il y a une énergie, il y a une énergie qui ressort des crises. Et cette énergie, justement, que ce soit les individus ou les gouvernements qui composent, les individus qui composent les gouvernements, il faut se saisir de cette énergie pour justement bâtir quelque chose de nouveau qui tiendra compte des erreurs du passé, qui tiendra compte de tout ce qu'on vient de dire là, cette inégalité dans nos sociétés, tout ce qu'on a abordé, tout ce que notre ami a abordé sur les difficultés en Inde. Moi, mon propos, c'est de faire, de dire, de laisser à l'esprit, tiens, ça a été dur, mais qu'est-ce qu'il va en sortir? Saisissons-nous pour ceux qui ont cette énergie. C'est pourquoi je demandais, comment transmettre cette énergie? Il y a ceux qui l'ont, moi c'est mon souci aujourd'hui, et puis il y a ceux qui sont complètement à plat, mais je me dis, vous m'avez donné la réponse, vous dites, ceux qui ont cette énergie, allez, il faut sortir, il faut aller vers les autres, il faut initier des actions, des discussions, des activités qui permettront progressivement de créer un modèle peut-être à proposer aux gouvernants. Tout mon propos, c'est justement de laisser entrevoir que, et je l'ai dit, il y a une énergie qui sort des crises, qui est toujours sortie des crises. Et bien souvent, après les crises, tout ce qui a été erreur du passé, parfois, certaines ont été corrigées, d'autres, on s'est endurci. C'est ce que je disais dans le début de mon propos, avant de lire le texte de M. Daleb. Parfois, on s'endurcit et on s'endurcit, on ne veut pas voir qu'il y a des choses à changer. Et à ce moment-là,
bon, ben on va, on est en droit de penser qu'on va peut-être, on va dans, droit dans le mur. Mais tout mon propos, c'est que du positif sorte de cette crise qui est négative. Et en cela, finalement, je me dis, est-ce qu'il faut à chaque fois une crise à l'homme pour qu'il aille de l'avant? Voilà en fait mon propos que j'ai peut-être mal exprimé. N'oublions pas à ce moment-là simplement qu'une énergie, la guerre donne une énergie. Hein. Je veux dire qu'il y a des gens, et beaucoup de gens, c'était aussi un peu le sens de mon propos, qui sortent de cette crise en se disant finalement la bonne énergie qui va simplifier, clarifier les choses, qui va voir qui sont vraiment les amis, qui sont les ennemis, on va en finir avec l'hypocrisie. Ça peut être la guerre quand même. Il y a beaucoup de crises qui ont mené à la guerre. N'oublions pas ça parce que c'est notre présent, c'est ça. Soyons pas trop angéliques, j'allais dire. Enfin, mais bon. Je dis pas ça. Merci beaucoup. The subject is absolutely interesting, and I feel that there are many, many discussions and many things to continue. Giselle, merci beaucoup pour votre participation.